Ah mince, route barrée, mince. Ah, flûte. Bon, on va essayer quand même. Donc ici, on est sur une des portions du Paris-Roubaix. Là, on le fait en sens inverse. Mais il y avait un panneau route barrée, donc je pense pas qu'on puisse le faire dans son entièreté. Eh ben, ça se coupe bien. La dernière fois que je suis passé ici, c'était plein de neige. Alors, quand je parlais d'engin agricole, a priori, la remorque est pleine de patates. Et donc, ils doivent être en train de planter les pommes de terre. Ah oui, c'est ça, ce sont les pommes de terre. Il y a des bordures macadamisées de chaque côté, mais on reste sur les pavés. Il y a des travaux là-bas. Hop là. De toute façon, je pense qu'on aura fait l'essentiel de la zone pavée. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est de la remise? Ah non, non. Ce sont des conduites. Ils sont en train de poser des conduites. Alors, conduite d'eau, conduite de gaz, je sais pas. Mais on va faire demi-tour. Hop là, en laissant les travailleurs travailler. Hop là. Et on reprend les pavés dans l'autre sens. Bonjour et bon courage! Donc on n'a pas pu faire le secteur pavé dans son entièreté. Et là on est dans le bon sens, celui que prennent les coureurs. Alors même à vélo, je passais sur les pavés parce que ça donne des bonnes vibrations. Good vibrations. Hop là. Ah, le monsieur avec son motoculteur là. Motoculteur Honda. Et on va repasser près de nos planteurs de pommes de terre, grâce à qui on pourra avoir de la bonne purée, des bonnes frites. J'ai ralenti pour... Ouais, ça, ce sont les pommes de terre, je pense. Ouais, c'est quand même des sacrés engins. Hein. Allez, gaz. Je crois que... moto va se partir en pièces détachées là. Elle va avoir 19 ans le mois prochain. Et ça fait longtemps que je ne lui ai pas fait vivre ce genre de terrain. Voilà. Parce que si je suis au point mort. Alors là en face aussi. C'était une ferme, alors ça s'appelle toujours ferme. À un moment, ils vendaient des produits, ils vendaient du foie gras
et tous les produits du canard gras. Maintenant, c'est plus politiquement correct. Alors, ils se sont mis aux légumes et aux fruits bio. Alors, toujours la même chose, hein, il faut faire